Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter un item de vente en copiant un item déjà existant. Donc, pour ce faire, nous allons dans le module Contrôle des caisses. Une fois le module ouvert, nous allons sélectionner Configurer les items. Donc, la façon simple d'ajouter un item, c'est de prendre un item déjà existant et de le copier. Donc, dans notre exemple, nous voulons ajouter une tarte dans nos desserts. Donc, je vais prendre mon item existant qui s'appelle tarte au sucre et je vais appuyer sur copier à droite. Donc, le système me demande si je veux copier cet item. Donc, je vais répondre oui. Donc, ce qui me reste à faire, c'est de modifier le nom de mon item. Donc, nous allons l'appeler tarte au citron et de modifier le prix si le prix est différent. Donc, dans ce cas-ci, au lieu de 3,95 $, nous allons le vendre 3,50 $. Donc, appliquer OK. Si je veux copier cette modification à tous les centres de revenus et à tous les modes, je vais appuyer sur copier. Donc, tous mes centres de revenus, tous mes modes, remplacer la configuration existante et j'appuie sur OK. Donc, une fois terminé, j'appuie sur appliquer OK et mon item tarte au citron est maintenant ajouté dans mon système. Donc, je peux appuyer sur fermer. Donc, c'est de cette façon qu'on peut ajouter un item en copiant un item existant.